Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album de l'auteur-illustratrice Camille Garoche. Ce livre, il s'appelle Le Lapin de Neige. C'est un album pour les enfants à partir de 3-4 ans. C'est un album sans texte, donc uniquement des illustrations. Ça se passe en hiver, dans la neige. C'est l'histoire de deux petites filles qui voient la neige tomber par la fenêtre. Et l'une d'elles sort de la maison et construit un lapin de neige pour sa sœur qui regarde par la fenêtre. Sa sœur ne sort pas, donc la petite fille qui a fait le lapin lui apporte à la maison. Mais le lapin commence à fondre puisqu'il est en neige. Elles décident de sortir toutes les deux. Et lorsqu'elles sortent de la maison, on voit que l'une des deux sœurs est en fauteuil roulant. Elles sont dans la forêt et à peine ont-elles sorti le lapin dans la forêt, dans le froid, que le lapin se met à s'animer et à devenir un lapin vivant. Et il s'en va à travers bois dans la neige. Les deux sœurs le suivent, mais celle qui est en fauteuil roulant se coince dans la neige avec ses roues. Alors le lapin devient de plus en plus grand et devient tellement grand que la sœur peut porter l'autre pour la mettre sur le dos du lapin et le lapin les ramène à la maison. Cet album, il est magnifiquement bien illustré. Ce sont des illustrations en papier découpé. Chaque illustration, chaque page est un montage de plusieurs plans de papier. Le travail est vraiment d'orfèvre, c'est vraiment de la dentelle. Les paysages enneigés, les couleurs pastels, la forêt, le lapin, tout ressort et tout prend vie comme un petit théâtre, une petite scène. À chaque page, une petite scène de théâtre. Le fait qu'il n'y ait pas d'illustration n'est pas du tout gênant, puisqu'au contraire, on peut s'imaginer l'histoire. Et l'illustration est encore plus importante, puisque c'est à travers elle qu'on comprend tout le récit. L'illustratrice Camille Garoche a également réalisé un livre qui s'appelle Fox Garden, et qui est également sur le thème de la rencontre entre les animaux et des enfants, dans un décor de neige, un paysage de neige. C'est l'histoire d'une renarde cette fois. Ces deux livres n'ont pas de texte ni l'un ni l'autre. Et on est très heureux à la médiathèque de Saran puisqu'on va exposer les illustrations originales de ces deux livres au mois d'avril. Et l'auteur-illustratrice Camille Garoche viendra à la médiathèque le 14 avril pour des ateliers, une rencontre et des dédicaces. Donc venez nombreux et d'ici là, n'hésitez pas à emprunter les livres de Camille Garoche à la médiathèque. Il y a ceux-là, mais il y en a également d'autres. Elle a illustré une trentaine de livres pour enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain Grand Méchant Book.